Regardons David. Pensons à David, saint et pécheur, persécuté et persécuteur, victime et bourreau. David est tout cela à la fois. Nous aussi, dans notre vie, nous faisons souvent cohabiter des aspects opposés. Au cours de la vie, tous les hommes pêchent souvent par incohérence. Il y a un seul fil rouge dans la vie de David qui fait l'unité de tout ce qui arrive. Sa prière. Et la voix qui ne s'éteint jamais. David, le saint, prie. David, le pécheur, prie. David, le persécuté, prie. David, le persécuteur, prie. David, la victime, prie. Même David, le criminel, prie. C'est le fil rouge de sa vie, un homme de prière. C'est la voix, ne s'éteint jamais. Qu'elle prenne le ton de la joie ou celui de la plainte, c'est toujours la même prière. Seule la mélodie change. Ce faisant, David nous enseigne à tout faire entrer dans notre dialogue avec Dieu. La joie comme la faute, l'amour comme la souffrance, l'amitié comme la maladie. Tout peut devenir une parole adressée à ce tu qui nous écoute toujours.